السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت، فيه صوت. الحمد لله. طيب عفوا، comme vous avez dû ressentir sûrement, c'est une qasida, mashallah, mais surtout pour celui qui comprend l'arabe. Celui qui comprend l'arabe, c'est toute la aqida avec tout le fiqh qui se trouve dans cette qasida. Mais bien sûr, celui qui ne comprend pas l'arabe, peut-être que il s'ennuie même. Naam. طيب. Moi, il me reste seulement 20 minutes avec vous, parce que à 1h du matin, je dois partir. Je ne sais pas si je dois répondre à vos questions, ou bien si je dois faire un petit rappel. طيب. Est-ce que... طيب. Coran, tafadhal. Coran, tafadhal. Ma'am, un rappel, il y a une question. De toute façon, le musulman, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, al-Rashid, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, j'avais une question. Tayyib, commence par la question, inshallah. Commence par la question. Écris-moi la question. Je vous disais, le musulman, c'est celui qui, pendant toute sa vie, chaque jour, du matin au soir, c'est quelqu'un qui, disons, observe ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, en faisant ce qu'il lui a ordonné et en s'écartant des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de s'éloigner. Ce n'est pas seulement pendant le Ramadan, ni seulement pendant les 10 jours du Ramadan, les 10 derniers jours. Alors que ces 10 derniers jours, surtout ces 10 dernières nuits, sont bien sûr les meilleurs, surtout les huîtres. Comme la veillée d'aujourd'hui, c'est une veillée huître. Si Allah subhanahu wa ta'ala aide quelqu'un à ce qu'il concorde avec ce qu'on appelle Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, c'est khayrun min al-fishar, c'est mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 années et 2 mois. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi, par exemple, cette nuit, et il te la marque alors dans ton livre, c'est comme si tu avais adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans et 2 mois en plus dans le livre. Ce n'est pas une chose banale, bien sûr. Tayyib, Coran, commence inshallah ta'ala par ta question, pose ta question. J'ai dit, c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et nous fasse de ceux qui et celles qui concordent avec cette nuit. Non. Rendez-vous donc tous deux plus fort, puis dites-lui, nous sommes les messagers sur nous. Fa'ti ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Non, c'est quoi la question ici? Naam, dans Sourate Shu'ara, verset 16. Inch'Allah ta'ala, où est la question? Allah ta'ala parle à Moussa et Haroun alayhim as-salam. Naam. Tu veux dire pourquoi il a dit Rasoul au masculin en arabe? Il a dit Faqoula inna Rasoulu Rabbil Alamin. Est-ce que c'est ça ta question? Pourquoi il a dit Rasoul
au lieu de dire Rasoulah? Non. La réponse, Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Ensuite, vous remarquez la traduction, subhanallah al-adhim, dans la traduction, il a dit, dites, nous sommes les messagers. Alors qu'en arabe, c'est écrit le messager, nous sommes le messager. C'est-à-dire que celui qui traduit, il devait écrire, nous sommes le messager. Parce que Allah ta'ala n'a pas dit les, il a dit rasoulou, le messager. En mohim, pourquoi il a dit le, alors qu'il a envoyé deux messagers? La réponse, la première réponse, c'est que Allah Ta'ala a dit dans un autre verset Rasoula, naam, Rasoula, avec le duel deux, naam. Donc il y a un autre verset où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit Rasoula faqula inna Rasoula Rabbil Alamin. Donc dans ce cas il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Et on avait montré une fois que, naam, on avait montré une fois que, je ne sais pas si vous étiez avec moi, quand est-ce qu'on pouvait employer le duel pour le pluriel, etc. et la règle. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala alam, il a dit à deux personnes, dites, je suis, nous sommes un messager. C'est comme s'il voulait dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que tous les messagers sont les mêmes. Qu'il y en ait un, deux, ou qu'on soit dix, on est tous les mêmes. On a la même dawa, on a le même but. Naam. C'est pas la peine de dire qu'on est deux. Le fait de dire un seul, ça suffit. C'est pour ça qu'en islam, si quelqu'un renie un seul messager, il est kafir, il a renié, c'est comme s'il avait renié tous les messagers. Naam. Pourquoi? Parce que tous les messagers sont venus avec le même message qui est quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et écartez-vous de tout ce qui va à son encontre, subhanallah al-adhim. Naam. C'est pour ça que si une personne dit je ne crois pas, je crois en tous les messagers sauf par exemple en Nuh ou bien sauf en Ibrahim, il est kafir. Khalas. Il va rentrer en enfer éternellement. Pourquoi? Parce qu'il faut croire en tous les messagers. Naam. Tayyib. Hilal 1406. Tafadhal. Inch'Allah ta'ala, s'il y a une autre explication pour Rasoulou, je vous le dirai Inch'Allah ta'ala ultérieurement. Une fois vous avez dit que c'était haram à la banque, vous avez dit que c'était haram. J'ai pas compris si vous pouvez expliquer où faire le change de l'argent, c'est haram. Est-ce pareil quand on reçoit de l'argent que le change fait automatiquement? Hidal 1406. Si tu as compris comme ça, c'est que tu t'es trompé. Naam. Si tu as compris comme ça, c'est que tu t'es trompé. Et j'espère, Inch'Allah ta'ala, que les autres n'ont pas compris comme ça. Sinon, alors, il y aura beaucoup de gens qui ont mal compris et se seront trompés. Naam. Je n'ai pas dit qu'il est interdit de changer l'argent de la banque. Sûrement, je parlais d'autre chose et celui qui m'a entendu ne m'a pas compris. Naam. Je n'ai pas dit cela et je ne dis pas cela. Et moi-même, ça m'est arrivé de changer de la banque. Naam, je n'ai pas dit cela. Et si je l'ai dit, ce n'est pas ce que alors j'ai voulu dire. J'ai voulu dire autre chose. Naam. Si tu te rappelles exactement dans quel contexte je parlais, alors rappelle-moi, je vais t'expliquer. Maintenant, j'ai oublié dans quel contexte j'ai dit cette chose. Naam, si tu te rappelles, Inch'Allah, rappelle-moi le contexte et je vais te dire qu'est-ce que je voulais dire. Minhaj salafi, tafadhal. Peut-on, lors du qiyam layl, prier en lisant le Coran, donc prier avec le Coran dans la main? Barakallahu fik. Naam. Aisha radiyallahu ta'ala anha avait un, comment qu'on appelle ça? Vous me l'avez dit une fois, j'ai oublié. En parlant d'une femme, on dit
la servante, en parlant de l'homme, Tayyib, Aïcha radiallahu ta'ala anha, avait quelqu'un, hein, il s'appelait Dukwan. Dukwan, un domestique. Jazakallahu khair. Naam. Jazakallahu khair. Ou bien Jazakallahu khair, si tu es un frère. Dukwan. Donc, attendez, je décris. Aïcha radiallahu ta'ala anha avait un domestique qui s'appelait Dukwan. Naam. Il l'a guidé dans la prière en lisant d'un livre. Le hadith est dans le Bukhari. Il l'a guidé dans la prière en lisant d'un livre. Beaucoup d'ulama ont permis de tenir un livre entre les mains et de lire pendant la salat si la salat n'est pas obligatoire. Mieux que cela, au lieu de le tenir dans un livre, si on pouvait le mettre en face de nous, on le pose sur par exemple une chaise et on met des coussins pour que ça soit assez haut. Ensuite, on pose le livre et on lit. Et à chaque fois que on veut tourner la page, on la tourne avec la main. Naam. Cheikh Al-Albani ne voit pas cette chose. Il dit que de préférence, quoi, il ne prend pas de livre. Il dit pourquoi? Parce que quand il prend le livre, il est occupé avec le livre. Alors qu'il devait au maximum ne pas bouger, etc. Mais c'est seulement un avis. C'est seulement un avis. D'autres ont dit que c'est possible. Et le hadith, Inch'Allah ta'ala, dans le Bukhari est clair. Celui de Dukwan qui guidait Aïcha tout en lisant d'un livre. Naam. Muslima 28, tafadhali. On me demande si on est derrière un imam. Non. Justement, les ulama disent si on est derrière un imam, non. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala a dit. Allah Ta'ala dit quand quelqu'un lit le Coran, naam, vous devez écouter, naam, attentivement. On ne doit pas lire, mais on doit écouter. Mais celui qui est seul, il lit. Naam. Et la femme indisposée peut-elle lire le Coran sans le toucher? La femme qui est indisposée, elle peut faire deux choses. Si elle lit de son cœur, si elle lit de ce qu'elle apprend, ce n'est pas interdit. Naam, elle est là assise, ou là dans la cuisine, ou là, il n'y a ni livre ni rien. Elle connaît le Coran, elle lit une sourate. Elle dit par exemple, par exemple, je vous donne un exemple, c'est tout. Elle dit par exemple, Alhamdulillah Rabbil Alamin, elle commence à lire. Ou bien Alhamdulillah alladhi anzala al-kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Elle lit le sourate Al-Kahf. Ça, c'est permis. Maintenant, si elle veut lire du Coran, il ne faut pas qu'elle touche le Coran. Par exemple, que quelqu'un, son enfant par exemple, hein, lui tienne le livre et elle lit. Elle lit en regardant dans le Coran sans qu'elle le touche. Naam. Dans ce cas, inshallah ta'ala, c'est permis. Il y a divergence. Naam. Il n'y a pas une chose en islam où il n'y a pas divergence. Naam, il y a divergence. Certains ont permis qu'elle touche le livre. Certains, comme Cheikh Al-Albani, Ibn Hazm, ont permis qu'elle touche le livre. Mais la plupart des ulama ne l'ont pas permis. La plupart des ulama, disons à 98% des ulama, n'ont pas permis à la femme qu'elle touche le livre. C'est pour ça que, pour préserver sa religion, il vaut mieux qu'elle touche pas et qu'elle lise de loin. Qu'elle lise de loin. Naam. Yusuf al-Jazairi, tafadhal. Ummu Aisha. Est-ce qu'ils ont les rouges ou là? Je ne sais pas s'ils ont le point rouge ou s'ils n'ont pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment peut-on se protéger de l'hypocrisie? Est-ce que tu veux dire Naam, Youssef, est-ce que tu veux dire l'hypocrisie qui vient de nous ou vient des gens? Comment se protéger de l'hypocrisie? Si elle vient des gens ou bien de nous? Ah, naam. Pour se protéger de l'hypocrisie, on doit la contrer avec quoi? Avec son contraire. Comment on se protège
de l'avarice en étant généreux. On se protège du djahl en apprenant la science. On se protège de l'hypocrisie en étant sincère au maximum. Naam. Surtout si on fait des choses, on doit les faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand on fait la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est plus hypocrite. On a une seule face. C'est la face avec laquelle on rencontre tous les gens. Naam. Quiconque ne veut pas être hypocrite, alors il doit quoi? Il doit être sincère au maximum. Naam. Ça a un lien. Naam. Ça a un lien en un sens. Car quand on fait l'ostentation, rien, c'est d'hypocrisie aussi. Parce que on ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on le fait pour les gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que les quatre signes de l'hypocrite, c'est quoi? Quand il parle, il ment. Quand il donne des rendez-vous, etc., il manque. Naam. Quand il a une altercation avec quelqu'un, il dit des mots indécents, etc. Et le quatrième signe, maintenant je l'ai oublié, si vous vous rappelez, vous me le dites. إذا حدث كذب وإذا خلف وإذا وعد أخلف وإذا خصم فجر. Et le quatrième, je l'ai oublié, il est très important le quatrième signe. Si vous vous rappelez pas, il faut que j'aille voir dans le hadith. Non. Vous vous rappelez pas le quatrième signe de l'hypocrite? Ayatul munafiq arba. Respecte pas ses promesses. Naam, ida atumina khan, jazakallahu khairan. Et si on lui donne une amana, il quoi? Il la vole, disons. Il ne respecte pas le dépôt. Naam, on lui donne une amana, il la respecte pas, il la vole. Naam, mais je voudrais te dire, Youssef al-Jazairi, qu'il n'y a pas une personne qui ne sente pas cette chose en elle-même. C'est pour ça que Handala radiallahu ta'ala anhu a dit: Naam, je suis devenu hypocrite. Ensuite, quand il a raconté à Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: moi aussi, donc je suis devenu hypocrite. Et ils sont allés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ils lui ont raconté ce qu'ils sentaient dans leur cœur. Naam. Mais l'essentiel, c'est d'essayer d'être sincère au maximum, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. طيب أم عائشة تفضلي. Si أم عائشة a déjà posé sa question, c'est qui après elle? أم زكريا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إن شاء الله تعالى quand tu termines tu cries numéro 1 après avoir effectué les tarawih entièrement à la mosquée en faisant le witr avec l'imam. Est-ce que l'on peut, après le 8, faire d'autres salats surérogatoires? Qiyam al-layl, ou est-ce que le 8 clôture les prières de la nuit? Après avoir fait le 8, il n'est plus permis de faire des prières surérogatoires. Pour deux raisons. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque fait le 8 avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine, Allah Ta'ala va lui écrire comme s'il avait fait la prière toute la nuit. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala va m'écrire la prière toute la nuit. Je ne vois pas pourquoi moi je vais faire d'autres prières. Je dis premièrement, Allah Ta'ala va m'écrire que j'ai fait la prière à partir de la Isha jusqu'au matin. Alhamdulillah. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait le witr, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait deux autres rak'at assis. Voilà une autre sunnah pour celui qui veut prier après le witr. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire une prière de deux rak'at tout en étant assis, pas debout. Il va lire dans la première: Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Et dans la deuxième rak'at, il va lire قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد jusqu'à l'akhir. Alors là, il aura fait exactement comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam. Zakaria, tafaddali. Et la deuxième condition, la deuxième raison pour laquelle on ne fait pas la prière, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ij'alu akhira salatikum witran. Faites du witr votre dernière salat. Donc quelqu'un qui va se lever, va faire d'autres rak'at, il n'a pas fait du witr sa dernière salat. Sauf pour les deux prières assises, qui sont une exception qu'a permise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zakaria, tafaddal. Excusez-moi, et si nous faisons sunnat wudu? Naam. Si on fait sunnat wudu, ou bien on rentre à la mosquée, ou bien les deux rak'at du réveil. Je ne connais pas les deux rak'at du réveil. Naam. Les deux rak'at du réveil, je ne les connais pas. Mais si on fait, naam, si on fait le wudu, alors on peut faire les deux rak'at qui s'appellent sunnat al-wudu. On peut les faire. Comme si on va à la mosquée, on peut faire les deux rak'at de la prière de la mosquée. Et comme ça, ce sont des prières qui ont des causes. Naam. Et non pas des prières surérogatoires en général. Tayyib. Zakaria, où est ta question? Fiki barakallah. Tayyib. Umayma. Peut-être que Zakaria est bloqué. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? J'ai été déconnecté. Naam. C'est dommage, j'ai pas vu la question de la sœur. Parce que j'étais déconnecté. Donc, elle a parlé de. Entre les deux prosternations, on dit Rabbi khfili, Rabbi khfili. Mais je ne sais pas quelle question elle a posée. Est-ce qu'elle a voulu dire? Yani, est-ce qu'elle a voulu que je lui confirme cette chose ou quoi? Naam, hada je l'ai lu. Hier, vous avez dit, ça, hada je l'ai lu. Mais j'ai pas compris ce que, lors, ce qu'on s'en souvient, on revient à la position assise, et on dit Rabbi Khfili, puis on continue salat, ou est-ce qu'on continue sans redire Rabbi Khfili, ensuite, on fait sujud sahou. Naam. Tayyib. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'entre les deux prosternations, on doit faire le dhikr, on doit parler. Ou bien on dit, Rabbi khfirli, urhamni, wahdini, wa'afini, wazukni, wajburni. Ou bien on dit quoi? Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Sah? Si on ne dit pas l'une de ces deux choses, ou alors une troisième chose et quatrième, qu'il y a dans le dhikr, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire, on a laissé quelque chose d'obligatoire, wajib. On n'a pas fait un wajib. Et quand on ne fait pas un wajib et on le dépasse, on ne peut pas revenir marche arrière. Donc, on termine la salat, et avant de dire salam alaikum, qu'est-ce que je fais? Je fais deux prosternations à l'intérieur de la salat. Naam. Et, comme vous devez le savoir, beaucoup de gens ne connaissent pas une chose pareille. Et beaucoup de gens, entre les deux prosternations, ne disent rien. Comme s'il n'y avait rien à dire. Ou bien, comme si c'était seulement sunna. Tu dis pas, il n'y a rien. C'est pour ça que beaucoup de gens ne disent pas. Naam. Et tous ces gens-là, bien sûr, Allah Ta'ala, mais pour un rukn, on le rattrape. Naam. Pour un rukn, on doit le refaire. Mais le wajib, non. Le wajib, on fait seulement sujud sahou. C'est pour ça que Allah Subhanahu wa Ta'ala, beaucoup de gens, seront vraiment embarrassés le jour de la rétribution, car Allah Ta'ala
a voulu que apprendre la science soit une obligation. Et beaucoup de gens ne veulent pas apprendre la science. Beaucoup de gens, naam, préfèrent passer le temps à rire, à rigoler, à plaisanter. Naam. Et beaucoup de gens passent leur temps avec les takfiriyens, qui parlent du tarout du matin au soir. Et tu lui demandes une petite chose sur le wudu, il te dit, oh là, je ne sais pas. Une petite chose. Une petite chose dans le sujoud de sao, il te dit, oh là, j'ai pas appris. Je parlais du matin au soir du tarout, je n'avais pas le temps. Naam. Alors que sa prière est fausse, sa prière est manquante, et personne n'aura d'excuse le jour du jugement dernier, car demander la science est une chose obligatoire. Comme c'est obligé que tu fasses la zakat, le siyam et le hajj, c'est obligé aussi que tu apprennes la science. Surtout, la science de la salat. Car c'est une chose qu'on doit faire. Naam, peut-être quelqu'un qui ne s'est pas marié, ce n'est pas obligé pour lui de connaître la science du mariage. Et quelqu'un qui ne fait pas le commerce, ce n'est pas obligé qu'il connaisse la science du commerce. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller au hajj, c'est pas obligé qu'il connaisse la science de quoi ? Du hajj. Mais la salat que tout le monde doit faire, il est vraiment grave que quelqu'un ne sache pas comment corriger par exemple sa salat. Et plus grave encore, qu'il passe son temps dans des futilités. Et plus grave encore, qu'il passe son temps dans les choses contraires à l'islam et dans l'égarement, et croire que on est dans la bonne voie et que les autres se sont eux les égarés. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Al-ulama'u warathatul anbiya, les prophètes, quand ils meurent, ils ne laissent rien comme héritage, ni des palais, ni des voitures. Ils laissent quoi? Ils laissent les ulama après eux. Toi, alhamdoulillah, tu es en train de suivre les ulama. Toi, moi, nous qui sommes dans la salle, on ne dit pas un mot avant d'avoir demandé aux ulama. Les autres ont rompu avec les ulama. Ils ont dit, les ulama sont des kuffars. Le shaitan leur a dit, dites les ulama sont des kuffars, comme ça vous allez rompre les relations avec les ulama. Et vous allez quoi faire alors? Alors vous allez me suivre, c'est-à-dire le shaitan. Et prendre des juhel et dire, voilà, ce juhel c'est lui le alam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, hatta ida, vous savez, de toute façon vous connaissez le hadith, je vous donne la fin, c'est tout. Hatta ida, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ulama, c'est-à-dire Allah Ta'ala les fait mourir, alors ils vont prendre des têtes de juhel et les mettre à la place des savants, et ils vont les questionner, alors ils vont égarer et s'égarer. Ils vont s'égarer eux-mêmes et égarer les gens. Naam. Donc, vous dites Alhamdulillah que Allah Ta'ala vous a ouvert vos cœurs et que vous sentez le besoin pressant de vouloir apprendre. Car ce n'est pas tout le monde qui veut cette chose. Et s'il la veut, ce n'est pas tout le monde qui la peut. Naam. Pas tout le monde peut rester une heure ou deux heures à apprendre de la science. Oh, il te dit, c'est beaucoup, je peux pas. Je peux pas. Naam. C'est difficile pour moi. Rester une heure comme ça, écouter, non. Moi, je préfère les salles où on plaisante, on rit, on tape 5 et on s'amuse. Là, le temps passe vite. Mais rester comme ça, ou peut-être prendre un stylo et écrire, et rester une année pour terminer un livre, ou les deux années, ça c'est trop, je peux pas. Naam. C'est l'un des signes que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et il l'a au khayr, il nous faqihu fi din. Allah ta'ala, quand il aime quelqu'un, il lui ouvre la voie de demander la science. Ça veut dire que quand il est quelqu'un, il lui ferme cette porte. Et il le laisse du matin au soir à parler du tarot. Le tarot, c'est le tarot. Tu es kafir, tu es mouchrik. Tu es kafir, tu es en enfer. Subhanallah l'azim. Une sœur m'a dit, quand elle ne connaissait pas le pasteur, qu'elle est rentrée dans la salle Ansar Shirk. La salle s'appelle Ansar Tawhid, mais moi je l'appelle Ansar Shirk, les alliés du Shirk. Parce que ce sont les ennemis du Tawhid, ils ne parlent jamais de Tawhid, ils parlent seulement de Tarot. Elle m'a dit, je ne connais pas bien, je n'ai pas de science, mais j'ai vite compris qu'ils étaient dans l'égarement. Je lui dis, comment tu as su cela?
Elle m'a dit, parce que ils prennent la haine. Ils prennent la haine. Et l'islam prend l'amour. L'islam, comme a dit Allah Ta'ala, « Wa qulu linnasi husnan » et dites aux gens les choses bien. Elle m'a dit cela, moi je n'ai pas de science, mais ils prennent la haine. Dès que tu rentres, on te dit tu es mouchrik, tu es kafir, tu vas aller en enfer, il faut tuer, il faut égorger, il faut ceci. Elle m'a dit, dans mon cœur, j'ai senti que ce n'était pas l'islam. J'ai dit, Alhamdulillah, alladhi nawwara qalbak. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la lumière dans ton cœur et que tu es issu comme ça, par la fitra, que tu es issu que cette salle est vraiment une salle d'égarés. Naam, vendredi, inshallah, prochain, il y aura le grand concours aussi entre yani, les frères et les sœurs donc, yani, pour savoir quelle est la finale. Maintenant, vous êtes 1-1. Vous êtes 1-1. Une fois les frères ont gagné, les frères ont gagné une fois, c'est les sœurs. Maintenant, c'est la finale, inshallah, c'est la vendredi prochain. Il y aura aussi 5 matières. La aqida, le fiqh, la sira et qu'est-ce qu'il reste, la culture générale, et il reste une chose, la aqida, fiqh, sira. Il y avait une quatrième chose, hein. Attendez, je la cherche, c'est quoi la quatrième chose là-bas? Aqida, fiqh, et le hadith. Le hadith, jazakallahu khairan. Le hadith, naam. Naam. Naam, il y aura des personnes. Naam. C'est une personne qui est très connue, elle est née le 11-12-53. Naam. Vous l'avez vite trouvé, mashallah. Je disais que même si c'est l'Aïd, si c'est l'Aïd, Allahu a'lam. Si c'est l'Aïd, Allahu a'lam. Naam. Si on se rencontre, on se rencontre. Si on ne se rencontre pas, ce sera, mashallah ta'ala, le lendemain. Ce sera le lendemain, bi'illahi subhanahu wa ta'ala. Je vous avais dit que j'avais rendez-vous à 1h du matin. Il est déjà 1h10. Sur ce, je vous laisse bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala fi hifdhillah wa fi amnihi. Une petite remarque, c'est tout. Une petite remarque, attendez une seconde, je vois si elle est là, la salle. Naam. Naam, elle est là. Elle est là. Il y a une salle dangereuse qui a fait apparition ces jours-ci. Elle s'appelle, je viens de la voir, elle est là ouverte. Elle s'appelle les gens de la maison. Ahlul Bayt. C'est-à-dire vraiment, ce sont les rawafid, les chiites égarés, et je suis sûr qu'ils sont en train d'égarer certaines nouvelles sœurs et certains nouveaux sœurs. Je suis sûr qu'ils sont en train de les égarer aussi. Naam. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, ce paltok qui permet naam, d'ouvrir tous les salons qu'on veut. Naam. De takfir, de khawarij, de chiite, de rawafid, de mu'tazila, naam, quiconque veut ouvre une salle et parle. Moi, quand je vois la salle, les ennemis du shirk et la salle, pardon, les ennemis du tawhid et la salle de Ahl al-Bayt est ouverte, je sens vraiment du chagrin dans mon cœur. Naam, je vois des gens comme ça égarés et personne ne peut les arrêter, personne ne peut leur montrer. Ils prennent le virus de la Shia, et les autres prennent le virus du takfir et des khawarij. Ensuite, c'est un peu trop tard pour leur enlever cette chose du cœur. Naam. Et ce qui est étonnant, par exemple, dans la salle, les ennemis du tawhid, par exemple, ce qui est étonnant, c'est que la salle ne ferme presque jamais. Est-ce que un jour vous êtes rentré dans le paltok, vous avez trouvé la salle des ennemis du tawhid, vous l'avez trouvé par exemple fermée? C'est vraiment étonnant, une salle où on ne fait pas la prière à la mosquée, parce que si on la fait à la mosquée, on doit s'arrêter et fermer la salle un peu. Maintenant moi, je vous ai dit, j'ai rendez-vous à 1h, donc je dois partir fermer la salle. Mais eux, leur salle ne ferme jamais. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de prière. S'il y a la prière, c'est pas la mosquée. Un takfiré, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, l'imam lui-même est kafir. Comment je vais faire la prière à la mosquée? Donc la prière à la maison. Naam. Ni tarawih, ni prière jama'a, ni jumu'a, ni subhanallah al-azim. Ensuite, on vient montrer aux gens le din, on vient leur apprendre le din. Subhanallah al-azim.
Mais maintenant, les rawafid ont ouvert un salon. Les rawafid ont ouvert un salon. C'est pour ça que je demande à des frères, s'il y a des frères ici, ou là, des sœurs, je ne sais pas qui sont mashallah, dont connaissent bien le madhab khabit des rawafid, d'ouvrir aussi une salle pour les contrer. Naam, une salle qui s'appellera aussi Ahl al-Bayt, ou bien les vrais Ahl al-Bayt, spécialement pour contrer la salle de ces shayatines. Naam, spécialement pour contrer le salon de ces shayatines, naam, qui sont égarés et qui égarent les gens. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, demain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle seulement à ceux qui ont ouvert cette salle que la salle se ferme par l'admin et non pas en la fermant comme ça par en appuyant sur file et fermé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.